Et salut tout le monde, c'est Narcos pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci de MW3. Donc je suis actuellement en mode infecté en multi. Donc j'ai voulu faire une petite vidéo présentative de ce mode. Ce n'est pas une vidéo où je dévoilerai tous mes talents, je vais dire. C'est juste une vidéo présentative où j'explique un peu le mode, où j'essaie de vous présenter les deux parties de ce mode. Donc là vous pouvez voir que je me suis actuellement mis sur un spot avec d'autres personnes dans le but de survivre, car c'est le premier principe de ce mode justement. Donc le but étant de survivre aux infectés. Donc eux, les infectés n'ont qu'un tomahawk et un couteau pour vous tuer. Donc c'est facile lorsqu'on a qu'un seul, mais dès que vous voyez qu'il commence à en avoir pas mal, genre là vous voyez ça commence à monter, ça va être vachement dur de tous de résister à tout le monde. Et le plus dur aussi c'est d'avoir de la chance en fait, c'est de pas se prendre un couteau dans la figure. Enfin voilà, là il y en a plein qui vont arriver, ils vont commencer à nous lancer leur tomahawk. Faut avoir de la chance et pas se le prendre, voilà. Bon alors je parle, mais maintenant je fais pas grand chose. Alors eux je les ai vus là-bas, oh, bah, voilà il est déjà mort. Bon, c'est mon premier gameplay, c'est mon premier FPS commenté, donc j'ai eu un peu de mal à me concentrer en même temps que je parle, donc je vais essayer de m'améliorer sur ça. Alors. Ah, j'aurais pu faire une doublette, c'est dommage. Bon, alors lui, déjà, je l'ai vu. Voilà. Donc, il faut savoir qu'on gagne beaucoup moins de points, pardon, quand on est survivant que infecté. Et quand on est survivant, on gagne des petits trucs à droite, là, je sais plus comment ça s'appelle. Des bonus de combat, des séries de combat, je sais plus comment ça s'appelle. Comme assassin, bonne gâchette, etc. Alors. Faut vraiment pas se faire infecter. Pour le moment, je résiste, c'est super. Alors, je l'ai vu aussi. Je sais tirer à travers. Bon, pleine tête. Toujours bon à prendre. Ah! Bon, vous avez pu voir que je viens de me prendre un tomahawk. Je sais pas si j'ai eu de la chance ou si c'est vachement bien visé. Donc maintenant, c'est à mon tour d'aller tuer les autres avec. Enfin, d'aller tuer ceux avec qui j'étais tout à l'heure. Vous avez pu constater que les petites barres. Enfin, notre nombre augmente contre. Généralement, les infectés gagnent à la fin des parties. Enfin, presque tout le temps, sauf quand c'est des mastodontes et là c'est un peu plus dur. Donc, je fais n'importe quoi. Je vais essayer de vous montrer quand même un ou deux kills avec quand on a infecté, quand même ce serait pas mal. J'en ai parlé mais je vous en ai pas montré. Donc là j'aurais pu le tuer hein, mais bon il y a eu le grillage. Enfin la barre là. Alors. Donc généralement il faut trouver un bon spot et s'y mettre à plusieurs si on veut résister. Ce mode est vachement bien parce qu'il dure pas longtemps. Et il nous fera rapporter quand même pas mal d'XP. En plus, il est vachement sympa à jouer. Hein. Ça sort un peu de la MME, etc. d'habitude. Ah là, j'aurais pu l'avoir, il sortait. Oula, alors là, vous voyez, on est en train de monter là-haut. Ça veut dire qu'on va les tuer. Ah, peut-être pas. Ah, si, je suis passé. C'est parti. Oui, super. 550. Vous voyez le nombre d'XP que je me fais. Oula, super. Alors là, en plus, en kill cam, alors là, on va me prendre pour un dieu. C'est pas possible. Ouais c'est super, je vous ai montré ce que je voulais vous montrer. Bon voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur n'importe quel réseau social. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer mes vidéos. A plus. Un petit plus dans cette vidéo, j'aimerais remercier quelques personnes. D'une part Another qui me fait des superbes backgrounds, vous pouvez les voir ici. Donc j'ai oublié de le remercier, mais c'est lui qui met à jour mes backgrounds, donc un énorme merci à lui franchement. Sans lui ce serait des vieilles images faites par moi-même. Vraiment naze. Je voudrais aussi remercier Florent Floflo620. Donc il a une chaîne YouTube aussi, vous pouvez aller voir, vous pouvez faire un petit tour, pardon. Donc c'est lui qui m'a fait ma belle intro, donc merci aussi à lui. Il y a passé du temps, les deux ont passé beaucoup de temps, donc un énorme merci à eux.